C'est Ariel Henry même qui t'a demandé pour me fermer frontière et c'est Ariel Henry même qui t'a demandé pour me camper construction canal qui t'a fait là. Ça c'est déclaration président dominicain Luis Abinader. Qui vérité qui gagne des paroles ça, mesdames messieurs. Dans émission ça, nous pral analyser, nous pral faut comprendre. Parce qu'il y a pile foulaille dans déclaration. Quand pile foulaille, il y a des gens qui commencent à crucifier Ariel Henry, etc. Nous avons pile foulaille. Ceci n'empêche pas cela. Parce que, pas bien, nek sa yo qui est passé au pouvoir là, nek yo pas gagné pour le pays. Donc, il est possible vraiment pour nek sa yo ta crampé pour yo dit Dominique mon cher, bon, mais bombarder le pays. Je te quand même dit ça. Mais est-ce que ça lui s'abîme dit, est-ce qu'il est vérité? Là, dans l'émission, ça. Nous va le parler. Bandi yo, bon côté pas, yo commence à prendre l'autre coup. Yo peut-être commence à, on dit, à reconsidérer l'actualité. Yo peut-être à recouprendre ça qu'a fait là. Parce que je dis là, c'est soldat américain tout seul là. Pas de blague dans le bagay là. C'est soldat américain qui a été là. Songez, Esdras Fize Medou ça plusieurs fois. Sous plateforme ça même. Ou ka patan nou a déploiement force multinationale Kenya pral pran tête et cetera nou pral saisi ouais mesdames messieurs c'est américain qui prend tête force multinationale là ou ka saisi ouais ça et songe pas dit trop longtemps yo t'a posé question sur le département d'état sous possibilité qui gagne pour un déploiement soldats américains en Haïti réponse yo te bay là c'est une réponse diplomatique yo pas dit oui yo pas dit non yo te répond comme ça pour yo dit c'est envisageable. OK? C'est ce qui veut dire cette possibilité est là. Cette possibilité est à l'étude, mesdames messieurs. Le conseil présidentiel. Barbecue parlé. Monsieur Salambé, leader politique yo. Monsieur Salambé dirigeant yo. Monsieur Salambé, tout le monde, tout secteur, monsieur passé près la presse, l'église. Barbecue pas mettre de l'eau dans la bouche. Li. Et certainement dans l'émission, ça, mesdames, messieurs, nous allons faire entendre. Nous toujours disons nous-mêmes, nous ne pouvons pas encourager, comme si nous ne pouvons pas bandit parler. Mais gros bagay qui dit nous, je faut entendre. Ou mettre poser aux patients qui dans l'émission, ça. Ou pral gen possibilité, mesdames, messieurs, pour tande tout ça, yo, ak en pile les autres. So, j'aime de dire ou m'bat en forme, ok? De dire ou m'bat en forme, et m'bon gri pa confier la kap, kap tapé m sérieusement, tout la kaye m'en malade, ok? Et nous pral frappe, Haïti Réflexion, c'est nos channels là, et puis c'est amis, Esdras Fize Meki entre la kaye, m'se nous passons un très bon week-end de formation dans notre compagnie, parce que nous déjà dans le week-end, on est vendredi, n'est-ce pas? C'est week-end. Nous espérons que vous passer un bon week-end et en attendant pour nous croiser semaine prochaine. Mais restez là, mesdames, messieurs. Nous allons voir plus de détails. Nous dit Bandi Barbecue, Monsieur Salambé, leader politique ici. Monsieur dressé yo, monsieur mette yo sous main yo. Parce que, faut nous comprendre jodi a la. Et, il y a moun ki kon fâché par rapport avec intervention anti jeune. Mais il y a moun ki kon répond ki vous dit, en tant que grand moun, si vous pas chita mal, yo pas tap kawe en bas ou. Mais c'est même bagay la nan di la. Ok? C'est même cause a nan parle la. Si toutefois, mesdames, messieurs, leader politique nous, secteur religieux, secteur presse, secteur syndical, si yo pas de chita mal, bandi yo pas de poing en bas yo. Jusqu'à ce que je dis là, mesdames, messieurs, nous, parce que vous pas montrer aucun respect pour personne. Et monsieur dit, Jean-Louis Bagala là, pito yo mette 9 premiers ministres. D'abord, bon, faut attendre barbecue et puis on fait commentaire.
Et m'a dit un gros bonjour à toute forme là, résistance tout pays, à me saluer nous et tout le monde qui est sur forme là. Et monsieur Bandi, non, comme nous avons un conseil présidentiel et CPT9, conseil présidentiel transition et en famille alliément et tout, comme si qui regroupait 9 volets, 9 chefs gang, 9 déchets, 9 moun qui raillent Haïti, 9 sans caractère, 9 grands goûts, 9 vicieux, 9 moun qui viennent battre pour refondre santé économique, 9 moun qui parlent Haïti dans le livre. 9 moun nan gros études, gros maîtrise, gros doctorat yo fè a, mais yo pa jam wè Haïti la dan. Ça nous pense même j'en nous fédérer 9 volets comme conseil présidentiel transition pour nous ta fédérer 9 volets tout comme premier ministre. M'pa konn ça nous wè. On fédérer 9 volets nous comme premier ministre. Comme si tant pour que tout gomme ça pour premier ministre n'a fédérer yo. N'a mettre 9 premier ministre tout. Nous gen 9 présidents. Nous tout gen 9 premier ministre tout. Mba konnen comme moi bandimien et gang moi épaule pa nan capable valable mais moi ta pon bon idée pour nous finir à tout goumen yo on a n'tap créer nous mba konn ki nous n'tap bali si n'tap prele PM9 PM9 en famille et allié main ou main tout parce que fédérer tout ba fédérer on fédérer on fini on fédérer on comprend nous gen 9 présidents nous gen 9 premier ministre ça t'a bon net oui et puis et nous t'a prend secteur marchand de micro a secteur marchand de micro a t'a voyer moun parle secteur droit ou bien marchand ni même ba kon j'ai relé yo on est pas droit zimé ici qui gen chien sale dans tête li a et qui les pierre expérience avec ti maman bouzin qui les mario l'angel là ti cordi ti coul ti pou le pays a secteur ça t'a voyer représentant parle et l'église corrompian soit disant dans des évêques monseigneur et puis a propose à critiquer gang vicieux passé au massissi passé au con un petit garçon dans l'église catholique. L'église catholique c'est une dans l'église qui cautionnait l'esclavage dans le pays d'Haïti. On prend moi nous t'a fait secteur ça vrai secteur protestant dans les grands pasteur t'a brancé qui t'a gardoté voler magouille vicieux chien sale passé au bagage. Tout secteur on t'a voyé on prend moi série de vaudouis en tête en bas. On t'a pas arrangé nous t'a voyé représentant nous. Par contre, ça nous est, comme ça, vous l'avez fait, oui. On fait des baïonnettes, nous finissons, non, messieurs. 9 premiers ministres, parce qu'il y a 9 présidents, nous avons 9 premiers ministres, oui. Pas de mal là, non. Par contre, ça nous est, vous comprenez, mais. Et puis, vivons sans tête frette lui-même. Vivons sans tête frette, oui. Et puis, aïe. On a quitté ça dans le pays d'Haïti. Regardez, ouais, maintenant qu'on lève là l'école, c'est une, fait le chita là, c'est deux. Vous entendez? Peuple haïtien, pas faute nous même pas donner nous. C'est moun yo relé directeur d'opinion yo. Moun ka pou faire go analyse politique yo. C'est moun ça qui mène nous là qui joue dans l'esprit nous. Vous comprenez? Et puis nous allons comment film n'a fini. Les directeurs ont troqué connu nous va comment ça fini. OK? Posez n'dande. On fédérer nèg yo fini, on fédérer tout bail parce que moun besoin vivre, on paye pas carré comme ça. Bon m'tande yo dit les Voltaire malade là. Semblait c'est à l'étranger ou pas la velle. Toute la cette journée n'a cléonné et gué l'hôpital qui t'est fait contre l'hôpital yo. On l'a volé parce qu'on volait 4 milliards combien dollars et Petro Caribé. Yo volé l'argent CIRH. Nous volé. Nous pillé pays ya. Et puis les filles nous disent, négazam ceci, nous complain. Bon, ouais, ça d'après tel bouquin vient délivrer nous, ouais, nous font poser. Nous même c'est l'aile venue nous balmique griffe nous de yon. Vous regardez ça, mon père. Ouais, ma fait voice, là, m'a tremblé. Ma fait voice, ça m'a tremblé. Et force multinationale, pour aller finir. Mais matériel, mais ceci, mais nous avons matériel. Qu'on a, nous avons matériel, pas plein, bon, mais non. Nous avons matériel, mettre pied à terre, venir prendre des frères. Ah, bah, ma vite fait ma cac, la retente de chat, non. Nous avons matériel, qu'on y a, pas venir plein. Pied sol lié, quoi lié, papa. Moment vérité arrivé. Malé en tout cas on va parler de ça non on parler pour fédérer 9 volets on va dans l'autre sujet on font fédération premier ministre il fédération président a fait fédération premier ministre et puis dès que tu connais déjà il fédération vivre ensemble on met tête nous ensemble on fédérer monsieur dit 9 chefs gang et c'est 9 chefs gang en famille alliément et tout mais bon bagaille oui qui est important. Je suppose,
si barbecue te garanti que moun sa ou se gang yo te vrai gars barbecue t'a fait alliance avec yo. OK. Si nous souhaitons une entière garantie, mesdames, messieurs, que Mounsao, c'est des bandits, et 9 chefs gang yandia. Nous souhaitons envoyer l'aide bayo. Nous souhaitons envoyer invitation bayo pour que yo arrange yo en façon pour yo coller tête yo ensemble pour monter association criminelle yo. OK? Nous souhaitons c'est 9 chefs gang, mais kounya là. Si M. Ka campé pour la faire des déclarations pareilles à l'encontre même des religieux, parce que même secteur religieux à M. Marie, la presse même, oh mon Dieu, c'est saccagé ça. Aucun respect. Non, mais raison simple. C'est tout simplement parce que nous mal chita youé en bas nous, barbecue youé en bas nous. C'est clair, oui. Puisque action a posé en d'un pays, son bonne action qui prêtait à équivoque. Nous baye monsieur raison sur toute ça l'abdi là. Vous va comprendre. Nous baye monsieur raison. OK? Mais nous-mêmes, comme si nous plus abdi que et bandi en quelque sorte yo senti yo menacé. Yo peur. Yo pas d'accord on dit ça. Tant que des fois tande Jeff Kana dans l'émission et hier là qui t'a dit lui-même il tande mon a dit bandi peur et cetera yo pas peur et pas vrai yo peur nèg yo senti yo peur ou mais on connaît faut que yo montre ou yo gen garçon dans garçon yo faut que yo montre ou yo digne de nous yo ba yo a y a fait résistance toujours mais nèg yo peur yo menacé nèg yo senti yo traqué parce que qui t'aime dire et c'est environ 20 blindés véhicules d'infanterie ou tande et Humvees et pas ça véhicules d'infanterie ça yo dit yo capable rentrer dans pays dans fin mois de mai et c'est l'état haïtien même qui commande yo me suppose le bandi yo a garder blindé ça yo et pas ça le prix Canada te vend nous donc c'est boum blindé. Bandi ou peut-être senti, yo pa gen aucune chance pour faire face avec sa gè la. Ba kon sou comprendre ça d'Abdou là. Et puis nèg yo commencé déblatérer. Nèg yo commencé frapper, nèg yo commencé parler. Kou nya barbecue, c'est comme sou senti, m'sou vexé moun yo. Mais est-ce que c'est pas ou la fait servir colle tout? Il y a ça aussi. Même j'avais avec lui Sabinadel. De quel sou ou elle lui Sabinadel fait là? Gen moun comme si qui commençait à critiquer Ariel Henry. Non, ressaisir. Quitter Esdras fizé mais pas la voix pour comprendre ça qu'a fait là. Abinadel prend l'élection le 19, vous songez ça? Monsieur en campagne. Fermeture frontière là, li fait République Dominicaine perdu des milliards de pesos. Des millions de dollars américains. Vous comprenez ça? Donc il y a questionné monsieur sous perte ça. Sous perte ça la République Dominicaine fait. Quand il y a en guise de réponse, monsieur pas capable de responsabilité pour dire oui, c'est parce que la situation est difficile qui veut te faire mal. Monsieur cherche un bouc émissaire. Ariel n'est plus au pouvoir. Ou pensez Ariel qui a démenti monsieur Gotelier là? Ou pas comprendre non? Ou pensez Ariel qui a démenti monsieur? Ou pensez Ariel qui a dit non? Et pas vrai? Monsieur connaît déclaration le fait là, il n'y a pas de suivi. Même si monsieur dit ceci n'empêche pas cela. Mais monsieur en campagne. Et ferme tu frontière là, ça fait mal aux Dominicains. Vous posez monsieur question sur ça. Monsieur dit ni canal là, ni construction canal là. Donc tout ça, t'a fait tout avancer, elle t'a fait yo, déploiement militaire, ouais, etc. T'as couru la République Dominicaine, t'es pour déclaration de guerre qui était sous tête, yo t'as exhibé, y'a montré force, etc. Monsieur dit c'est Ariel même qui t'a demandé pour camper construction canal là. Parce que Ariel Henry dit, c'est un groupe de monde dans le secteur privé des affaires là qui a construit canal là, mais qui va gagner pour œuvrer avec le gouvernement, qui va gagner pour œuvrer avec l'intérêt de la population. Ça, monsieur dit, à cas vrai. Mais il faut comprendre tout. Abinadel, il ressemble à quelqu'un qui est traqué.
Parce que dans le débat présidentiel, il va poser des questions sur la réalisation. Il va poser des questions sur ce qui a été fait pendant le dirigé. Vous va comprendre. Mais voilà, dans la question que pose monsieur, mesdames, messieurs, il va demander monsieur qui s'acte pour celle qui fait le fermer frontière, qui s'acte pour celle qui fait déployer un série de soldats sous frontière jusqu'à ce que il manque bomba d'Haïti. Il faut qu'il y ait une réponse. Et réponse li bay la, pas doit engager le directement. Pas doit engager la 100%. Comme Ariel n'est plus au pouvoir, monsieur dit c'est Ariel qui te dit. Vous va comprendre. Mais son parole politicien lié. Monsieur, c'est quelqu'un qui est en campagne. Monsieur prend l'élection le 19. Dimanche 19 cap vin là. Donc monsieur arrange l'autre façon, mesdames, messieurs, pour chou la colle en bas question yo. Ça a toujours arrivé Ariel Henry fait ça parce que t'es gen membre dans gouvernement Ariel Henry a qui t'est déplacé aller même sous frontière là sous canal là al fait pression pour camper. Population t'est fou furieux. Population t'est sorti pour te manger yo, OK yo déplacé. OK. Gros paquet moun vraiment qui t'a discrédité la construction de ce canal. C'est comme si construction canal là, ça faisait mal à certains. Et on t'a créé une façon pour eux, c'est qu'on t'a stoppé construction ça. Donc, il est possible que le clan d'Ariel Henry t'a contacté, je dirais, t'a contacté vraiment la République Dominicaine pour demander pour camper construction canal là, etc. Mais qu'on y a l'autre bagaille nous commander. Et si Ariel te dit la République Dominicaine ou l'autre bagay? Par exemple, ouvri frontière là, pas jamais fermé, etc. Quitte tout haïtien entré sans visa. Est-ce que lui sa Binadel ta fèl? N'a pas d'accord même lui pas ta fèl. Donc ça fait prendre mesure ça, c'est parce que lui estime mesure ça, ça Ariel ta dit là si c'est vrai, c'est parce que l'estime l'a un avantage lui. Ou pas d'accord? Parce que si le cap pour décision pareil, c'est parce que l'estime décision ça bon pour lui. Monsieur voulait décharger, monsieur voulait retirer toute responsabilité sous dol pour montrer que le bagage pour vraiment avec ça qu'a fait là. Mais pourtant, le premier responsable c'est lui. Parce qu'on va dire, c'est avec nous pour partager frontière là, on va dire c'est lui-même qui force au fond bagage, un bagage qui a crasé l'économie, un bagage qui a metto, qui a ruiné l'économie, qui a ralenti l'économie. Et si son autre bagage il te mande au fait. Et si ça te dit là, son bagay qui te visé pour craser pays à son affaire. Ou t'as crasé? Est-ce que t'as crasé pays à? Donc c'est ça que fait. Faut qu'il y ait des questions qui posent, mesdames, messieurs. Ok? Donc les nègres yon a vin ensemble avec nous, yon a vin beaucoup de nous avec arguments ça yon. Faut nous gen moyen pour nous repousser yon. À mon sens, Abinadel fait fly. Ya? Ou mais quoi, même je fais fly? Parce que si monsieur pense le bral ka éterniser sous ça, si monsieur pense le bral ka faire capital politique sous action ça, monsieur chire. Monsieur foutu, mon cher. Ok? Monsieur pas même besoin espérer que la bon dans des démarche la faire là. Ou mette ferme confiance. Donc, lui, Abinadel, monsieur, li défend tête li. Laissez retirer tête en bas de l'eau, en bas question y a posé lui etc. Même dit c'est pas un bagage qui capable de vraiment. Soulé nous dit des soldats américains débarqués en Haïti. Il y a des centaines lui là actuellement. Cap si on est au sein de rue au Rwanda, dans toute zone claire signaux là, il dit où toute zone aéroport là, c'est des soldats américains qui là. Des soldats américains. Koun ya la, gou bagay ki important pou konnen. Depuis Occident, kore yon bagay. Depuis Occident, kampe de yon bagay. Gè tout chance, mesdames, messieurs, pou le pa bon, pou. Konnen gen samedi ya? De pou Occident kore yon mouvement, ou Occident kampe yon façon, li djoui li même, mais sal vle, etc. Ou mette l'en question. Mettez ça le dire en question.
OK? Bref, faut attendre un professeur qui va expliquer ça, ça on dit là. Parce que nous-mêmes, là, on a parlé, nous toujours aimons jeunes des arguments, nous toujours aimons jeunes des professionnels en la matière, monde qui avisé, monde qui comprennent la réalité, tournure politique là. Et qui a fait nous comprendre ni exactement, ou bien qui a corroboré dans le même sens avec nous, qui a fait l'autre monde comprendre l'actualité exactement, je dis là. Le professeur Raymond, qui a expliqué, ça, on dit là, mesdames, messieurs. En disant mot pal dans langage pal et la faut comprendre gosse de côté là gosse de secteur là qui gagne nous a dit et groupe gang tant qu'on gagne tant qu'on gagne et Carrefour Feuille côté on était chasser population Carrefour Feuille là et Martissant etc. chaque côté ça cité soleil quoi des bouquets chaque côté ça mesdames messieurs nous avons des ressources à exploiter dans espace ça yo et c'est raison ça qui font ouais Occident campé comme ça ou est la Corée au sérieux de monde et tout monde occident coréen c'est monde qui gon velléité pour aider yo abouti ensemble avec ça yo gen comme plan comme faut entendre pour ce remont de pour l'occident des appuyer au monde ou mettre pelle faut courir Carrefour Feuille c'est son mine que le chita yo le cobalt yo dit li vaut 83 000 milliards de dollars Haïti pas besoin toute l'argent ça. Mais qu'est-ce que vous faites? De tout côté, cité soleil, c'est extraordinaire. De tout côté, vous mettez foyer gang, vous en bas la saline. Mais c'est là où on réserve pétrole. Et c'est pour ça que les États-Unis ont fait le Venezuela déplacer l'ambassade là. Parce que vous pensez que les Hugo Chavez ont fait accord avec René Préval dans Petro-Caribé. Donc, Hugo Chavez a pral vini pour exploiter pétrole là en bas. Eh bien, ambassade américaine fait yo évacuer ambassade Venezuela en bas dans la Salina. Et c'est pour ça ouais yo mettez ça. Et c'est pour ça ouais yo enlevé et on est en coup du massacre estimé. Le coup d'état contre du massacre estimé que ont fait colonel Paul Eugène Magloire fait. Mais c'est américain. Parce que estimé prend voie développement et l'elle commence à PC développer pays physiquement avec ça qui gagne etc en l'air et puis il décide qu'on y a il prend en bas sol là il commence à négocier avec des compagnies qui pouvaient faire études et qui pouvaient faire exploitation pour garder ça nous gagne et comment nous exploiter américain était en bas là et puis il fait prendre monsieur à la velle Jean-Claude Duvalier en 1984, décidé de prendre deux compagnies, une compagnie américaine, une compagnie canadienne. Et il y a une troisième compagnie qui est une compagnie africaine qui est venue pour venir commencer à faire études sur ce que nous gagnons comme ressources minières et comment nous sommes capables d'exploiter. Et ils sont venus commencer à faire études là. Mais là, ils ont commencé à jouer une bagaille. Ils ont montré qui ça gagne, mais qui ça vaut, mais qui ça gagne. Et c'est pour ça que les Américains sont intervenus. Li fait Jean-Claude Duvalier aller oui. Pile monde qui a te prend là oui branche bois nan mais Haïti libéré deuxième indépendance nous prend pouvoir mais pas me comprendre ça. Non. C'est les États-Unis d'Amérique avec la France qui entend yo qui évacuer Jean-Claude Duvalier. Pourquoi que monde là si a te dire qui ça professeur est-ce que moi parler comme ça. Mais c'est normal pour dire ça. C'est deux monde qui pour dire ça. Un monde qui pas connaît histoire qui a dit ça peut-être moins éclairer la tête yo y a prend note deuxième moun k'ap di ça c'est moun qui était dans évacuation Jean-Claude Duvalier yo mais qui pas même comprendre sa pays a été qui pas gagne le sens de l'histoire qui pas gagne le sens de l'état hein yo pas gagne ni science là yo pas gagne ni sens là yo pas gagne vision c'est seulement pour venir faire l'argent mais pas même comprendre sa pays a été parce que pas m'a prédit encore et autant de fois qu'au bon micro m'a dit ou pas qu'à diriger yon pays sous pas qu'on pays ya. Ou pas qu'à diriger aucune institution sous pas qu'on institution. Donc voir pour l'état, ou pas qu'à diriger l'état sans qu'on pas qu'on l'état. Et faut gagner le sens de l'état, faut gagner la vision de l'état et deuxième bagarre en pays tant que Haïti, faut pas fragile. Capitaine Ibrahim comme jeune garçon il parce qu'il est pas fragile. Il est un homme entier. Personne, yo pas d'accord avec elle.
Yo pas d'accord. Mais je dis à commencer chita avec elle. Je commence à respecter elle. Même Jean tout, yo pas jamais d'accord avec le président et comment il s'appelle encore président pays qui a gagné le génocide là. Oh Wanda. Président Wanda. Ah oh, oui, Kagame. Kagame, on pas ah, d'accord oui. Avec Paul Kagame. Pas besoin Paul d'accord. Kagame avec... c'est le plus grand dictateur oui. de siècle ça. Le siècle là, mais le développé pays. Mais le développé pays. C'est ça. Donc jouer. Mais attendez, l'homme dit ça, c'est pas moi qui dis non, c'est qu'on s'est traité là. Mais c'est comme clair. Le plus grand dictateur de siècle. Et puis, le regarder pour ça se faire en termes de réalisation là, Kaili, on n'est pas qu'à oser ou pour venir dire que je dis capable de tourner Rwanda pour aller faire même bagaille. La ville de Kigali, est 5 fois plus belle que la ville de New York, oui. Mais ouais, ça, moi, ouais, imagine. Mais d'accord. Alors, ce qui est fat, quand tu fais le tourner, oui. Oui. Jean, ouais, vous faites le Port-au-Prince tourner là, oui. Donc, de pour l'Occident, d'appuyer au monde, ou mettre pelle, faut courir. Bagayo là! C'est chercher pour chercher, bagayo là, terre là. Et les Africains ont commencé à comprendre. Les Africains ont compris ceci. Et c'est peut-être ça même, ou un bon comportement. C'est peut-être ça même, ou un Africain au campé. Et chaque fois Occident sorti pour poser une série de questions tête en bas, des journalistes français yo campé pour poser une série de questions tête en bas, moun sa yo campé yo di, mais pour tout ça wap di la yo, et est-ce que vous posez la France question ça yo, pour tout ça wap di la yo, est-ce que pour ça gen bagay depuis c'est la caille nous le fait ou gen problème avec elle, vous comprenez? Parce que Africain vous comprenez bagay là, ok? Et vous pas quel pays tout commencez à comprendre, je dis là. Là, on sait deux pays, tant que Guadeloupe, Martinique et autres, qui vont jamais être indépendants. On ne peut pas jamais être indépendants. Pays, ça ne peut jamais être indépendants, non? La France qui est dans la gorge, on ne dit quoi qui s'allie. Chaque fois, pays, ça a tenté de demander pour être indépendant, ils ont vécu avec un bagage. On dit, ah, nous t'as même déjà avec Haïti. C'est vrai? Nous avons vu même avec Haïti, nous voyons Haïti pour l'indépendance, nous voyons qui est allié. Et quand ça nous a mis vignes et tout, mais si ça nous a mis vignes, pas de problème à nous indépendance. Nous prenons Haïti comme mauvais exemple. Pourtant, qui est-ce qui met Haïti dans l'Italie là? Nous même. Qui est-ce qui ruine Haïti? La gueule dans l'Italie là? Nous même. Moi, je vais entendre, on va expliquer ça, on va dire. Alors, comme si archive nous toujours là, nous toujours arranger nos façons, mesdames, messieurs, comme si pour nous faire comprendre la réalité là. Avec des mots sûrs, des mots propres. Entendez. Si vous êtes Guadeloupéen, Martiniquais, Réunionnais, Guyanais, vous avez forcément eu une discussion ou entendu ou débattu avec votre famille, vos amis ou autres sur l'indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, etc. Et vous avez aussi forcément entendu cet argument, ou vous l'avez peut-être même dit vous-même, tu veux devenir comme Haïti? Tu vois comment c'est Haïti? Tu veux vraiment que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane soient comme Haïti? Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi toujours le même argument? Eh bien, beaucoup ne connaissent pas l'histoire d'Haïti, et surtout juste après son indépendance, et le pillage que ce pays a subi. Reste, je t'explique. Pourquoi l'État français doit rembourser 100 milliards de dollars à Haïti? Dans cette vidéo, tu vas comprendre à quel point l'histoire d'Haïti a été effacée de nos livres d'histoire, et surtout de notre conscience collective, pour nous faire croire que le malheur des Haïtiens n'est qu'à cause des Haïtiens eux-mêmes et de leur incapacité à gérer leur propre pays. Mais surtout, de laisser dans l'imaginaire de ceux qui auraient l'envie d'une certaine indépendance, qu'ils seraient dans la même situation. Or, un pan de l'histoire a été effacé. Prends juste quelques minutes pour comprendre que le malheur des Haïtiens résulte d'un pillage de l'État français par une double dette. Et aussi, ensuite, par les États-Unis, un peu plus tard dans l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, il va falloir réparer. Une coalition d'une vingtaine d'ONG a exigé, lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, le remboursement de plus de 100 milliards à l'État français. Alors, pour comprendre pourquoi ils demandent une telle somme, je me suis basé sur une enquête très complète du New York Times qui a dû éplucher pendant plus de un an les archives financières d'Haïti et ont consulté 15 économistes internationalement connus. Pour comprendre,
Il faut donc revenir au 1er janvier 1804. Haïti proclamait son indépendance. C'est la première nation noire et du monde moderne à être née d'une révolte d'esclaves. C'est en chassant leurs maîtres esclavagistes français, dont la brutalité était incontestable, que résulte l'indépendance d'Haïti. Il faut aussi rappeler, et je pense que c'est important, que Haïti était est une ancienne colonie française. Mais 20 ans après la proclamation de l'indépendance d'Haïti, en 1825, un navire français se présente dans le port de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, à son bord un arsenal de canons et un émissaire du roi Charles X qui vient livrer un message. La France exige réparation de la part du peuple qu'elle a elle-même mis en esclavage. Un comble. Haïti à cette époque est très isolé et n'a pas d'alliés. Le pays a peur d'être à nouveau envahi. La somme exigée par la France, 150 millions de francs français. Une somme qu'Haïti n'a pas. La France rajoute une condition qui montre bien sa volonté de piller Haïti. Elle exige que pour régler ses paiements, le pays devra emprunter uniquement auprès des banques françaises. C'est ce qu'on appelle la double dette. Le New York Times a vérifié chaque paiement d'Haïti sur une période de 64 ans. Le total monte à 560 millions de dollars en valeur actualisée. C'est cette somme qui n'a pas été investie dans le pays, pour des écoles, des infrastructures, etc. C'est un frein quasi total du développement du pays à un moment où c'était le plus important. Chaque franc envoyé à la France ne contribue pas à la construction et à la prospérité de la nation haïtienne. Les recherches du New York Times ont conclu, je cite, « Les paiements à la France ont coûté entre 21 et 115 milliards de pertes de croissance économique sur la longue durée. » Fin de citation. L'économiste Thomas Piketty, très connu en France, parle d'une fuite qui a totalement perturbé le processus de construction de l'État haïtien. Mais ce n'est pas tout. Après cette rançon et les intérêts qui ont saigné Haïti, en 1880 est marqué par la création de la première banque nationale haïtienne. Mais hélas, elle sera juste une émanation pure et simple du CIC. Je cite, elle contrôlera la banque nationale haïtienne depuis Paris et prélèvera des commissions sur chaque transaction effectuée. Les archives retrouvées par le New York Times montrent de façon claire que le CIC a siphonné des dizaines de millions de dollars haïtiens au bénéfice d'investisseurs français. Voilà pour la responsabilité française. N'hésitez pas à partager pour faire connaître une histoire peu connue, mais qui a comme résultat un pays et surtout un peuple en souffrance du fait de plusieurs années de vol. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre vidéo, je vous parlerai du rôle des Américains. Vous comprenez ? Et c'est ça que ça me dit, guide des Africains qui commence à comprendre la réalité. Vous comprenez? Vous commence à comprendre la réalité. Vous voyez, le monde sorti comme si dans l'université à l'étranger qui vient étudier, etc. Le retourne dans le pays. On prend par exemple, on dit Haïti qui quitte Haïti. Là, l'étudier Harvard, Sorbonne, etc. Ou bien dans toute grosse université qui est à l'étranger. Le retourne. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui a son jambe posé, qui allait dans la vraie direction, qui allait dans la bonne direction, ou bien qui a aidé le pays à sortir dans l'Italie là. Ou bien vous voulez? Eh bien certainement. Les Africains ont compris ça. Ok? Bon, il faut attendre, encore une fois, nos frères Africains. Faut que nous attendions. Parce que ces références-là, ils ont aidé à nous comprendre la réalité. Attendez. La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vendent. Ça, c'est un Saint-Syrien. Un Saint-Syrien. Ils ont fait quoi? Sankara a étudié à Madagascar ici. Étudié à Yaoundé ici. Hein? Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Et ce que quand Sankara a laissé comme souvenir, ça va rester 4000 ans. Parce que jusqu'ici, le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. France, c'est quoi? C'est le mensonge. Le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage, ça c'est leur culture, c'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voyons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour la France? Il faut la dégager, point. On a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza.
Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Le président de la République démocratique du Congo démasque l'hypocrisie d'un journaliste et de la diplomatie française. Félix Tshisekedi, président de la RDC, était invité à échanger sur l'actualité géopolitique du moment. Face à lui, le journaliste controversé d'LCI, Darius Rochebain. Ce dernier reproche au président de la RDC de garder des liens politiques et commerciaux avec la Chine et la Russie, malgré les accusations d'entrave au droit international, notamment en Ukraine. Des reproches inacceptables et condescendantes selon Félix Tshisekedi, qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller avec le dos de la cuillère pour démasquer l'hypocrisie du journaliste et surtout de la diplomatie française. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, Occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Si, mais voilà, où voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, de sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça, ce qu'on après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais. Lui, au moins, c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Oui. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça. Mais bien sûr. OK? Ils comprennent exactement que et la France, les États-Unis, ils nous envoient des cancres. Moun qui pas gagné de nationaliste. Moun qui pas gagné. En imaginez, là où vous avez la tortue en Haïti. J'ai la tortue, pas de personne en Haïti. Non. Même yon poule, monsieur, pas de mari en Haïti. Non. Et d'ailleurs, en vrai, madame, monsieur, fini. Monsieur prend pose, li malade, li dit là, il prend soin aux États-Unis. Et puis tout est États-Unis. J'ai la tortue, pas rentré en Haïti, vin, bah, rapport de temps, te fait abdige Haïti. Non. Rete, ou pas qu'on bagay ça? Jusqu'à ce que volo a mouri, li va jamais bah, un petit mot sur rapport, li va présenter un petit mot sur bilan, non? Audit parfait, non, suggestion, on est en couche à la tortue. Il était en mission. C'est blanc même qui te voué. L'action, monsieur, t'a posé. Nous te comprenons. Nous voulons faire qu'on est, mesdames, messieurs, c'est génial pour nous caler. Si on toujours croisé, Brano, nous avons fonctionné, nous avons joué la victime.
Blab toujours prend plaisir. L'a toujours voyé des soldats, vin prendre ressources sous gain yo, aller, il crée insécurité encore dans 10 ans, dans 15 ans, ou pral gile nécessité encore pral retourner relèl. Jusqu'à ce qu'elle finit pied tout ce soir là. Bataille là c'est pour mener. Et ça que grand pile monde qui t'aimer inscrire dans démarche bandi yo. Yo estime bandi yo quelque part t'ai gain raison. Yo t'aimer inscrire dans démarche bandi yo. Mais le voyez je regarde yo ouais. Bandi yo c'est rancé yo t'a pensé c'est la lose yo t'a la lose. Population vient sentir livré à lui-même et puis il dit bon OK. Il y a pas vraiment une bonne bataille, il y a pas vraiment une bataille sincère, il y a pas vraiment une bataille crédible etc. Donc peuple a dit bon OK, lui accepter c'est le grand perdant. Et puis voilà. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Haïti Réflexion, c'est nos channels là. Et puis, on a toujours appelé aux amis ou Esdras Fizeme qui est toujours avec vous. Ok? Et nous sommes contents ensemble avec vous, nous sommes contents de partager Réflexion ensemble avec vous. Encore une fois, monsieur, de passer un très bon week-end de formation en notre compagnie en attendant. Nous recroiser un peu plus tard, mesdames, messieurs. Bon week-end tout le monde. Et je toujours dit, dans tout pays, dans le monde là, il y a un week-end, il y a un week-end, même en temps de guerre. Redéconnectez ensemble avec nous. N'ap croisé prochainement pour une autre vidéo.